Censée être morte depuis l'épisode 8 de la saison 4, vous êtes nombreux et nombreuses à demander un retour de Madison. Entre les faux espoirs des fans et la communication très aguicheuse de la part d'IMC, les fans n'ont toujours pas digéré la mort du personnage à tel point qu'encore aujourd'hui, à l'aube de la 7ème saison, les fans se demandent encore si Madison va revenir. Bonjour à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du cas Madison, un grand cas qui revient toujours dans mes commentaires. Est-ce que Madison va revenir? Ou des gens qui me font des théories sur son retour? On sait que Kim Dickens a quitté Fear the Walking Dead il y a presque maintenant 3 ans. Et voilà, encore aujourd'hui, on se pose la question de si elle va revenir. Pour être honnête, ça risque d'être vraiment très compromis. C'est pourquoi j'ai essayé de trouver un maximum d'informations pour savoir si les scénaristes l'ont poussée vers la sortie, si c'est elle qui a voulu quitter elle-même le show, et c'est un sacré bordel pour trouver quelque chose de concret. C'est pourquoi j'ai fait appel donc à Kim Dickens France, qui s'occupe du Twitter pour relayer un maximum d'informations sur l'actrice, et ensemble on a trouvé quelques articles qui pourraient nous conduire à des réponses sur la question, même si honnêtement c'est très flou. Il n'y a vraiment rien de concret avec cette histoire, on va le voir au fil de la vidéo. Quand on parle de Madison au nouveau scénariste, ils esquivent la question. Quand on parle à Kim Dickens, même elle c'est un petit peu flou. Par moments elle va dire que son personnage pourrait revenir, à d'autres elle fait clairement comprendre que non. Donc, pour les fans, c'est compliqué. D'autant plus que la communication d'IMC est dégueulasse et joue énormément avec les fans. Et on va y revenir justement dans un premier article qui est sous mes yeux. Donc ça, c'est un article du Forbes de Eric Kane qui lui fait clairement comprendre que Madison ne reviendra jamais. Et il dit « Ne croyez pas IMC quand ils taquinent un retour de Madison, ils l'ont fait avec les arbres peints, ils en ont fini avec l'épisode de dimanche dernier, quand Alicia a décidé qu'il était temps de retourner au stade, infesté de zombies où Madison est décédé. » Mais attention, il va un petit peu plus loin en disant aussi « Je sais de bonne autorité qu'elle n'est pas satisfaite de la façon dont son personnage a été balayé sous le tapis. » Alors attention, la traduction est faite directement par Google. Voudriez-vous revenir dans le feu de la benne à ordures que ce spectacle est devenu depuis? Il est un petit peu dur, mais il n'a pas tort. Il dit aussi, IMC et les nouveaux showrunners l'ont tué aussi sûrement que Charlie a tué Nick. Quelle que soit cette peur, ce n'est pas celle qui s'est terminée lorsque le barrage a explosé lors du final de saison 3. Ce spectacle est aussi mort que Troy Otto, aussi mort que son frère et son père, aussi mort que Madison elle-même. Donc lui, dans son article, il dit clairement qu'elle est morte en même temps que Fear, puisque lui n'a pas du tout adhérer au nouveau showrunner de la saison 4. Mais on va justement s'intéresser à ces showrunners qui ont remplacé Dave Erickson à partir de la saison 4 et qui ont complètement détruit le show. Ils ont déconstruit tout ce que Monsieur Erickson avait mis en place les 3 premières saisons. Les thèmes abordés ne sont plus les mêmes. La réal aussi. Ils ont changé de colorimétrie, de personnages. Tout, ils ont tout détruit en première partie de saison 4 pour laisser place à leurs idées à eux. Et c'est là justement qu'on peut se demander si la mort de Madison à l'épisode 8 n'était pas voulue pour clairement détruire Fear et recommencer quelque chose de nouveau. On a justement un article pour ça, donc de Stéphane Viviane, qui lui, alors clairement, défonce ce que fait Goldberg et Chambliss. Donc lui, il défonce le filtre gris hideux, la chronologie dégueulasse. Il parle aussi de la stupidité des personnages, etc. Donc on voit bien dans tout ce qui a été mis en place avec cette saison 4 que tout est là pour déconstruire ce qu'a été Fear. Dans un autre article, on peut aussi trouver une phrase de Kim Dickens qui dit « La quatrième saison remaniée, la première sous la direction du producteur exécutif Scott Gimple et des showrunners Chambliss et Goldberg, a révélé que Madison était morte au milieu de la saison. » Quelques épisodes seulement après la mort surprise de son fils Nick, dans des interviews de sortie après son départ de la série, Dickens a admis s'être senti choqué et déçu en apprenant justement la mort de son personnage. Il y a aussi un autre article sur Allociné qui a été traduit. C'est un journaliste qui demandait donc au nouveau scénariste comment le choix de tuer Madison était venu. Ils disent que c'est une décision qui a été prise dès le départ. Nous comprenons qu'il est difficile de perdre un caractère auquel nous nous sommes attachés pendant 3 saisons et demie, mais le sacrifice de Madison et les valeurs qu'elle défendait sont l'essence même de la série. Ces cons se contredisent tout seuls. Donc on sent bien
que dès que ces nouveaux scénaristes sont arrivés, ils avaient déjà l'idée de se débarrasser de Madison. Donc à mon avis, quand Scott Gimple a clairement dirigé Monsieur Erickson vers la sortie, il y avait un intérêt de reconstruire Fear the Walking Dead. L'actrice a été aussi prévenue très tôt que son personnage allait mourir, et c'était vraiment déchirant et dévastatrice pour elle. Faut savoir aussi que c'était un de ses rôles de sa vie, et qu'elle aimait ce personnage, et qu'elle n'a vraiment jamais compris pourquoi le personnage devait mourir. Alors, c'est des petites infos par-ci par-là. En fait, ce qui est terrible avec cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi Madison est partie. On n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, mais je voulais faire cette vidéo quand même pour vous montrer qu'il y a des choses vraiment très très floues autour du départ de Kim Dickens. C'est vraiment un mystère, parce qu'il y a même aussi des acteurs qui sont assez surpris de son départ. Exemple, Gareth Dillahunt, l'interprète de John Dory. Parce qu'il faut savoir que c'est Kim Dickens qui a donc fait venir Gareth Dillahunt, car ils ont joué ensemble dans la série Deadwood. Et il le dit lui-même, eh bien c'était délicat, a déclaré Dillahunt. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles je voulais faire la série. Donc il était déçu qu'elle s'en aille, il était même assez dérangé parce qu'il est venu pour elle. Elle lui a même dit de rester parce qu'il voulait aussi partir. D'ailleurs, Gareth Dillahunt a donc quitté Fear the Walking Dead en saison 6 à sa demande. Il y a même certaines personnes qui étaient assez choquées. L'acteur Lenny James aussi, il aurait aimé jouer avec elle, il était assez déçu de son départ. Il y a plein de choses qui sont vraiment très très floues dans cette histoire. Il y a aussi la vidéo Instagram récente de Kim Dickens qui date de l'année dernière. Dans le trailer de la saison 6 de Fear, on voit dans une prison une silhouette de dos. Ce personnage était Janice, mais les fans ont cru que c'était Madison, et lorsqu'elle a fait donc un live Instagram, les gens n'ont pas arrêté de lui poser la question, et elle, elle l'a dit avec tristesse et honnêteté que ce n'était pas elle. Okay. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font comprendre qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, à mon avis, avec les nouveaux scénaristes. Il n'y a rien de concret, hein, attention, hein, c'est juste des petits articles pour vous montrer qu'il y a des choses très bizarres et qu'on ne saura sûrement jamais le fin mot de l'histoire, mais à mon avis, je pense qu'elle a vraiment été poussée vers la sortie, parce qu'au fil du temps, avec Fear, on a bien vu que la série a complètement changé, que ce n'est absolument pas la même chose, que c'est maintenant devenu une autre série, que tout ce qu'avait mis Dave Erickson en place est mort. Donc je pense que la mort de Madison était utile pour les scénaristes pour refaire à leur manière Fear the Walking Dead. C'était une petite vidéo comme ça pour essayer de vous orienter un peu plus vers une idée, hein, même si, comme je vous le dis, on ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, à part si un jour une des personnes se lâche et dit la vérité. Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense que Madison ne faisait pas partie des choix scénaristiques des deux nouveaux scénaristes, ce qui a conduit à la sortie de Kim Dickens. Encore une fois, Madison peut revenir, mais est-ce que ce serait vraiment utile pour le personnage si c'est pour déconstruire et dénaturer le personnage qu'on a tant aimé? Sur ce, je vous laisse théoriser un max sur le retour de Madison, parce que là, cette fois, vous pouvez, puisque sa fin est quand même un petit peu ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.